Merci. Vous suivez MKB officiel partout à travers le monde. Vous allez brancher de partout. Vous allez Colanda, Bino, Mikolo, Nyonso, Ezali, Fierté et Nabiso. Vous continuez aimer, vous continuez à s'abonner davantage. Surtout, vous continuez à liker la vidéo Nabiso. Confusion totale depuis ce matin. Na est la République démocratique du Congo. Est-ce que tu as engagé sous ce mouvement, il y a bah M23, ce groupe rebelle, ils allaient s'organiser pour ne créer encore terreur dans le cannabiso. Depuis ce matin, batu ba palangana ki mwangi, batu musu bazoye batu soki ba bandela wapi. Mais vérité, ils allaient finalement wapi. Mais au même moment que batu bazali ko zala vraiment Namakambouana, nos députés, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, par exemple, Toikin de Komoko à Lobby, il est grand temps que tout se concentre pour être tout comme un moyen et bel tout tient armé. Cette fois-ci, tout ça, la Russie a salina Ukraine, donc tout cas, parti à Rwanda, tout annexé à Congo. Côté Rwanda, Abangabiso, Libela. Donc, ma proposition est allée et belée. Malheureusement, Pité Nabiso, Moussous, Bissot, Awa, Maroc, Tango Baye, Baye n'a pas supporter. Bah, tout simple. Mais, Oyabiso, Mboka, Yézan n'a pas réalité belée. Comme on n'est pas ordre de mission, Oyoba député, Babimi, Bakenan, Libanda, hein, tout ça. C'est comme si nous comprenons pas l'enjeu d'accompagner même les institutions et alliés en place. Les OPC sont montés ma passe. Mais nakati awa mbutu ya kosakanate, lobby massacre bête à partir de Tianzu, Bolanda qui communiquait moko parce que aussi, oui, tant il y a Bitumba, la bataille est là aussi médiatique. Le bataille à information. Désorienté, alors, Boutala vraiment que dans ces cas-là, il faut tout le monde quand il y a des patriotes, pour s'approprier Makambouana et les cas très bien. Et surtout, très très bien, ce bazar armé, c'est un gilet qui tient Bango, Libanda, Ndebisotolobi, Nemkabes officiels, nous faisons un effort pour surtout faire vivre Bino vraiment en intégralité. Mayenini mazali koleka nangambo owana. C'est pourquoi bomoni ki tozali ko sala beaucoup d'efforts sans que tozono nini ezali koleka autour ya babilo ko nyonso biso tozali ko moko to chele bino bolanda ki chotozo selebinango di sus communication oyo gouvernement na biso et pesa ki boye pe bosion mosusu oyo Basala qui est un porte-parole, il y a gouvernement. Bolanda qui paie la communication, Oyo, Badongolo, Miswana, Balingi, ba créer comme moi, Mboutou, na Koko Saka Batu. Actuellement, Nangunga Tozali, Awa, Nini Penza, Ezoleka, à l'aide du Congo. Nini Ezoleka, maintenant. Est-ce que M23 va progresser? Selon ce que Bolandi communiqué, il y a Moutouana Lobby, en tout cas, Bango va progresser, Beta qui fait décès, Natchans décès à Palangani, mais Far Aya, Beti, M23, Akangi, oh, bon, mon ami, tout à l'heure, 5 minutes à Togo, et comme on a dit, j'ai la confusion, même. TV à la caradiote, to bundi pour te tozo et la binesco bilili. Hein? Sur place, bon mon ami le qui na terrain, BAM 23 baza wapi, position peu y a armé na biso et ali waps. Sans pour ne pas faire trop de commentaires, BAM 23, Armée Nabissoua dépêche qui service sous mon commando. Oye, Betty, elle moussous. Moto le qui makas, Bakimi, Bate de Kobata mana Uganda. Uganda pe,
à protéger Bangote, Ouganda a Kangi Bango, armée Nabiso et Landi Bango Kuna, beaucoup moins Bilili Nazo Pesabino, Ndengeni Nibazo Kanga Bango. Et d'ailleurs, même quand l'M23 dit que non, oh Batouana, Bazana Bango Bakongole, Bazaba Rwandete, beaucoup moins deuxième image, deuxième vidéo. Ndenga armé Azo Kanga Bango, mais botala suki bilongiwana, bisoba Congolais, tout ça la kabongo. Bino moko boko pe sangai, raison, tango boko tala bilongiwana, soki ezali penza, yaba a Congolais. Donc, je veux vous laisser suivre d'abord ma vidéo Oyo Yaliboso. Botala lo lengeni, exploit, yamen abiso, ndenge alandi, ni batouana, ndenge a komi na bango, toko le presque jusqu'au bout, nandenge pe ba M23, ba koko saka batu, bazana ba groupe WhatsApp, bazana ba page Facebook, me ba ye bazali, na sentiment ya mbokate, ba krele ye pe, ba message na bango, mais le combat est commis médiatique. Mais les éléments que je vous donne, ou bien vidéo, je tiens la bino, et j'allais vidéo sur terrain, place beaucoup moins à quel niveau combat wana et salami. Alors, si je parle le même langage, na ndeko na régie, je crois que c'est Voldy Montazaywana, à côté la bino image Oyo. Botala koma bakotukutu na bilanga bazolanda bango na ba forces armées mboka na biso bakangi bango bomona ndenge ne bazali en perte de vitesse et nous allons revenir juste après pour tout continuer na mission na biso ya mokolo ya lelo et je pense que tu le partages aussi vous un peu ko liker encore juste après. Nous vous présentons quelques capturés sur le sol ougandais. Et des rebelles du M23, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont au nombre de 11 capturés. Et leurs effets sont dans les dispositions de l'armée ougandaise. Les forces ougandaises et les forces congolaises, ça accompagne les capturés. Ils accompagnent les capturés vers Ouganda. Ouganda. Nous vous présentons quelques capturés sur le sol ougandais. Et des rebelles du M23, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont au nombre de 11 capturés. Leurs effets sont dans les dispositions de l'armée ougandaise. Les forces ougandaises et les forces congolaises, ça accompagne les capturés. Ils accompagnent les capturés vers Ouganda. Ouganda. Voilà, je crois que Wana Bolandi, ma première élément, il y a M23, combat et Zamakasi. Donc, et Bandaki Naboutou, je précise. Bandeko Oyo Bazali ko comprendre te que combat comme aussi médiatique donc obozo mona ezali ba ADF nga kumsus bitombeleki makas
notre armée a tient en place service au commando bakeyi bakimi bakomiti na ngambo ya Uganda côté bakangeli bango je crois bozomona ndengeni bakangi bango et la plupart parce que bilongi na peut-être bon moyango très bien mais bokomona yango parce que vidéo ya mibale ezali koya. Maintenant les gens se posent des questions. Ezape na bande ko na biso mususu awo. Ba bande ki kote le mela Rwanda. Kobo ya Rwanda. Rwanda n'est pas sincère. Rwanda est ici. Ba ton souba mona ki yango mabe. Ngana loba ki boye na makambo etale mabele. Tozala pe na ba parti pris. Moto na moto ko ki kozala na ba divergence na wo etali. Mais na mabele tozali obligé ya kolobaka langage moko parce que tozana mboka mibalete et cela même que nous demandons l'implication ya mutu nyonso biso nyonso d'abord derrière nos forces armées to se mobiliser pour te mettre fin à likambo oyo Kagame n'est pas. Il ne sera jamais de bonne foi, ça il faut que vous ayez très bien. Mais est-ce que Bissot peut être concentré dans ma gambo, il y a un beau cannabis. Dans un pays comme le nôtre, il y a des définitions soit ensemble nationale, où est-ce qu'il est censé jouer un grand rôle depuis que Mosso Lobadi Keno quitté les groupes armés, l'Assemblée nationale. Depuis qu'il a dit qu'il quittait les groupes armés. Si les lotos yo kata li kambo mokote, banane ba lokwana ba groupe armé. Ton monite? Quitte les groupes armés. Ton lokwana groupe armé what? Disons la vérité. Batengi koutou de député le côté. Mais ce que l'Assemblée va faire, Isaya Kolongwa awa, Kozambonga ba contribuable congolais, ou bah député va gagner autant la match. Est-ce que beaucoup de supporters te battent Moussous va gagner autant la match. Mais vous savez c'est l'image de Yambo Kotozo. Est-ce que nous sommes bonnes bah marocains bah députés marocains. Mais on nous attaque à l'est. Et ça bien t'es. Je vais vous laisser suivre maintenant. Tango bakangi bango. Botale siko bilongi. Yabatouane. Potango bakangi bango. Armée Nabiso. Aye, allié bango. Contrairement à mensonge. Otoyoka kina tongo. Depuis lobby. Ce qui lieutenant, ce qui nani, ce qui major, ce qui major en gonde ngeni. Alors, on dit, oh, bah, on est en forme, bah, on est en forme, bah, on est en forme, bah, on est en forme. Je vais vous laisser suivre maintenant. Bon, on est en carte, à Moutouka, on est en carte, quelques éléments, pour être ce qui est en train de congolais. On va revenir juste après cet élément, pour être en train de faire le lot, tout le monde est en Congo, tout ça derrière notre pays. On suit, on revient juste après. Dereva, chunga wafunge. Wanawafunga.
Je pense que binomoko bozali komona wana donc nini musala ba soda na biso ba kosala musala, on ne veut pas vraiment totia ba commentaire et belete wana ezali vraiment tokolo ba ke nafront et binomoko botali ba towana. Je crois que ça illustre botola bilongi na bango oyo ezali bakangami lelo na bitumba lelo mais tokolo ba ke ba force ezali ko célébrer d'ailleurs na tsuka rappeler mission moko ya tongo ki Tshisekedi a outu ko zala na kagama na Jordanie ba solo li na ye et ceux qui ont talipé makambu mususu et sengela ki pe Salem. Parce qu'on a utilisé le plan diplomatique. Est-ce que vous savez que même l'avion y a Rwanda na estrone ba tika bango ba ciel na biso rwandais basa na musala toza ba voisin mais soutien un certain niveau ba zoka te construisons notre armée. Les problèmes aussi à ce niveau là est-ce que sommes-nous aujourd'hui? Moi je crois en la capacité. Il y a Basoda Nabiso. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Tolobali Kambo Mingi qu'on change d'abord chaîne de commandement. Bande Kodanga, je vous dis, Ndeto Bundaka Bitumbawana, Narme Nabisoza tellement infiltré que non. Ba info nyons. Oto Zouaka. Na Congo, après 5 minutes, Eza na Rwanda. Armée, il y a mixage, brassage, nyon soigne si kamoko. Comme nous avons tenté sur le plan diplomatique, et que le Rwanda continue toujours, il y a pour ça la kabiso makambouane, les Rwandais continuent toujours à nous flouer. Un grand pays comme le Congo, on ne peut pas tout le temps pleurnicher. Un pleurnicheur, c'est un défaitiste. Il est grand temps que totel est malicolo. Et pour totel est une armée à Malonga. Armée à Malonga, c'est un capé moyen. S'il faut qu'on soit là dans le fond spécial, tout cela est en gros, cette fois-ci, à l'époque. Moi, je me souviens, c'était Adolphe Muzito qui avait proposé une hypothèse, il faut faire la guerre au Rwanda. Mais moi, je pense qu'à un certain niveau, Togo, ça n'a pas qu'un mot, tout partage avec un niveau. Maintenant, pour reconstruire la guerre, Bakendagaga Kambala, et Sengeli Tomiyeba, n'était à l'est là, on peut laisser les troupes. Mais il y a une chose au Bazali, dans la Bible, de l'heure ou de près, qu'on change la chaîne de commandement. Qu'on a un moyen d'affronter Batouane. Nous n'aurons jamais la paix. Nous n'aurons jamais la paix. Je vais vous laisser suivre. Bon, moi, je suis là. Qu'au même moment, Batouane, ya banguna soto zo bunda awa biwana ngambo mususu ba kopesa ka info ya lukuta o duza voye pe bazo wangana ke bato bakanjwa na bazaba rwandete donc ba pindi bango non seulement ke ba créer diversion mais aussi même doutes ya bato o bakangi balo bana bango ke bazana bango ba rwandete ce sont des Congolais. Juste dans les Congolais en Dengewana. Juste dans les Congolais en Dengewana. Oh, moko na bangwa za quoi faire. Oh, moko na bangwa za boy. Et za foy archifou. Moi, je préfère qu'ensemble avec vous, Toyo Kaye. Boulande Soukou na ba deux vidéos na PCBino. Boumona ke vérité. Et batami bisika awapi. On va suivre Ndeko Yaba. Je crois que tu es bien à Tongo, il y a ceux qui forcent l'armée, il y a M23, où il y a Zolo, qui est non, Bango va attaquer, Bango va sali, Bango va sali, va exploser, exploser ce qu'il y a Lukuta, ce qu'il y a Ndenge. C'est un élément que tu as déjà à Tongo, Ndenge,
ba Rwanda na bazolo ba keno armée monto attaquer biso biso tozana problème té ce ne sont pas des Rwandais. On va venir juste après. Je ne sais pas si je parle le même langage avec Voldy. Il va nous chercher. Soubien s'il ne trouve pas ça, d'abord il y a armée. Armée Nabisso. Ndenge, armée a communiqué qui na Takouana. Après Toko Zongela, il y a M23 pour détruire ce binon. Info, l'armée a communiqué comment bataille Kibango. Il a présenté ses Rwandais. On va revenir juste après. Vidéo Wana. Suivant. Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise bar M23. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise a suivi les communiqués des FRDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position des Runyoni et Tianzou et à connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant deux éléments, soi-disant des capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ses propos indits et incongris, les M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FRDC tient à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FRDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tianzou et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et des circuits, nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Massissi, marié à une Kasaïenne. Monsieur Wajeneza Muindi John, alias Zagé, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FRDC. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, comment expliquer que les militaires FRDC en deux bandades peuvent avoir la capacité de capturer son adversaire? Fait à Sarambwe, le 29 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, je vous remercie. Je crois que les alliés, ceux qui portent parole, ceux qui major autoproclamés, ils peuvent avoir une info à ce qui concerne Makambuna Bango, il y a Bandoki, il y a M23. Il peut aller couper sa info à l'Okuta. Mais moi, je pense, un, il faut bakata Rwandais. Rwandais. Et y a les sous awate. Dédé. Bataille un peu. Ba coopération nous la gagnons entre les Rwanda. Trois. Balobi que ministre des Affaires étrangères à Kobenga. Ambassadeur na Bangor, s'il y a moyen pour expulser yé. Quatre, Koluka maintenant, comment on peut faire? Parce que tu as un peu précipitamment, mais pour ton pema et singele to, Nathan Bounza Mabe. Tout le monde a dit, les ordres venaient de Kinshasa. Vraiment que non, tout ça moyen armé. Poto si le salikambo au na Rwanda. Et si la libéra, il s'est dit tout bête na Rwanda. Mambo kamouke me rose me soit otage tout le temps. Tofanda ka Rwanda, tofanda ka Rwanda. Bilobe ya mutualisation. D'ailleurs, vous allez comprendre un élément dans ce tchèle. Comment les porte-parole, il y a gouverneur. S'il faut encore compter la bonne foi,
y a Kagame qui ne fait que nous rouler. Ingana lobaki, Kagame continuera à nous rouler aussi longtemps que Bissomoko, Bakolombo, quand tu comprendre en jeté. Boyo Kamtuna, Oyo, porte-parole, il y a gouverneur militaire, Makambozo, tout le sait le Rwanda, est-ce qu'Azan a raison toté? Moi, je pense que nous devons maintenant nous organiser pour nous attaquer. Tout a fondement d'abord. Tout le monde a un fondement d'abord. Institution. On va revenir pour tout le monde à comment. Donc, il faut affronter. Bateau est trop, c'est trop. C'est bon? L'armée, on revient juste après. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance et l'opinion tant nationale qu'internationale, que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, des Tchanzu et Runyonyi dans les territoires des Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur deux militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP 27779, et du soldat de rang Wajeneza Muhindi John alias Waje. Les deux soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana, et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Wajeneza Muhindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. C'est des sources crédibles précise les noms de leur unité et l'identité de leur commandant de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Voilà, je crois que wana bolandi technique ezana ba makambo nango wana bolandi ezali vraiment porte-parole il y a gouverneur militaire il y a Nord Kivu YP a expliqué pas aller ko regretter na comportement oyo Rwanda azali yango vis-à-vis ya mboka na biso, mais la bataille continue encore. Ya kolika nous nous posons la question vraiment ce qui est causé deux ou trois jours menga na pesi position na ngai et sengeli tout cela par tous les moyens tout s'organiser une armée ou de tout meka ko sala ba effort ya tout mettre fin le Kambo une seule fois pour toutes tant que ba ko ba armée na biso ezali organisé te. Donc, vous allez aller sur un moyen d'aider les gens qui entourent le président de la République, les institutions de la République. Il faut que nous ayons une distraction. C'est comme si on était en train de piéger Tshisekedi et Moko. Nous devons nous mobiliser autour de l'essentiel. Côté Kamakambo, Moïbi, côté moyenne armée, pour tout cela maintenant la guerre au Rwanda. Faire la guerre au Rwanda, et c'est ce qui est que non, tout ça est un Bundeli. Et je crois que les informations à notre possession. Je pense que cette fois-ci, quand même, Bambargo Ango Isili, Togo Kipe Kosomba Mindouki, Togo Somba Peba Massas de munitions, pour que cette fois-ci, Tomekape Lolenge à Kobongisa.
na ba dongolo misoyo o ba monaka ke ba ko nyoko na beba kongole sinon pa tokutika laka na nzembo wana esila kate lelo Rwanda lobi Rwanda Rwanda beti Rwanda sale ezali vraiment impossible te ke to comprendre nini ezali koleka mais en tout cas bo retenir que d'une manière générale nous nous mobilisons pour te tenir cette une vérité à chaque fois qu'actualité nous avons vu par exemple le gouvernement lobby. Est-ce que cela suffit que nous avons ambassadeur il y a Rwanda Awa Kombo naye Vincent Karega que nous avons bengié ce que Vincent Karega le gouvernement na bisola qui ça qui a za contenté na les Kambwana ça va changer quoi tu sais que dire beaucoup beaucoup t'as dit na Rwanda na Paul Kagame na Jordanie face à face échanger le connu tu penses que bango Rwanda ayao échanger le connu on a même parlé magabu sur la raffinerie d'or bah penser et le changer zaté ce sont des gens qui ont compris que servir à Kamambo kana bango et que vivre à Kakana Congo d'où il faut nous faire la guerre alors puis on peut te comprendre que la diplomatie a montré ses limites. Maintenant, il faut mettre l'option militaire sur la table et nous organiser pour changer l'union et le commandement, pour avancer, pour être tout kende et les bossos. Sinon, nous allons rester en train de pleurnicher. Kolandaga batusima, abete biso, asaliboye, boinabo. Elle est en sens à ta à mon côté. Je vous demanderai de vous abonner massivement, de partager les liens, de commenter, surtout. Il y a que ça qui va tomber sur basse abonné. Si le Seigneur ne revenait pas, dans ce numéro, bye. Merci.